Bon, et nous voici dans la magnifique ville de Saint-Claude. Alors franchement magnifique, c'est ironique hein, parce que c'est vraiment très moche. Alors là on est en hyper centre donc ça va encore, mais alors les extérieurs franchement c'est moche comme tout. Je vais d'ailleurs vous mettre une photo. Bon ben je crois que c'est la seule chose de bien à Saint-Claude, on n'aura pas fait le musée parce que franchement la ville ne donne vraiment pas envie. Je crois que voilà, les cascades d'ici sont superbes, mais c'est la seule chose qu'on fera et on dormira même pas ici. On va prendre la route, je ne sais pas pour quelle direction. On va ouvrir la carte routière tout à l'heure en remontant. Mais c'est clair que je suis vachement déçu. Je m'attendais à une ville un peu plus propre, soignée. Et franchement, ça donne pas envie. Je suis même désolé pour le musée de la pipe parce que franchement, j'aurais bien aimé en faire une vidéo. Ou faire une vidéo justement rigolote, mais... Mais voilà, ça, moi je trouve que la ville ne donne vraiment pas envie. On va savourer cet instant. Bon ben voilà, après Saint-Claude, on a pris la route, on a dormi, je sais plus le nom de la ville, enfin voilà, on a fait que dormir parce qu'il fallait qu'on soit à Valence ce matin parce qu'en fait j'ai vendu la 2 chevaux et la personne n'arrive pas à refaire la carte grise, donc il fallait que j'aille à la préfecture et je suis tombé sur quelqu'un de super à la préfecture de Valence. Alors franchement, sur Google ils ont 1,7 étoiles, moi je vais aller y mettre 5 étoiles parce que je suis tombé sur une dame en or. Et donc elle a pu m'arranger pour que le nouveau propriétaire de la 2 chevaux puisse faire sa carte grise. Donc oui, on est à Valence et là on prend direction Vallon-Pont d'Arc. Ils sont partis refaire des courses, recharger, parce qu'à Vallon après on fait les courses mais on se déplace plus en camping-car, on fait tout à pied. Donc là on va racheter le maximum de packs d'eau et tout ça, comme ça après on va tout racheter au fur et à mesure. Voilà, donc la suite, j'espère à Vallon-Pont d'Arc tout à l'heure. Bon, ça y est, il est 19h, on arrive à Vallon cet après-midi. On a mangé et on est parti direct au Pont d'Arc pour la baignade. Donc voilà, j'ai pas encore filmé. Et comme on est là pour plusieurs jours, il y a eu pas mal de changements quand même, parce que là il y a une route voilà, qui est au fond et qui n'était pas là l'année dernière. Donc ça désengorge pas mal la route qui est en haut, attenante à l'aire de camping-car, c'est beaucoup plus calme.
Donc voilà, donc demain matin, je vais me baigner dès 9h. Je prends le drone pour vous faire des vues au drone au pont d'Arc. Et puis voilà, donc voilà, maintenant ce sera 15 jours de baignade à profiter des vacances. Voilà.